Bonjour à tous. Bon, vous m'entendez? Du coup, aujourd'hui, on va parler d'économie autrichienne et je vais essayer de vous donner en 20 minutes, autant que faire se peut, les clés de ce qu'il faut comprendre et de comment on raisonne en économie autrichienne et finalement conclure pour essayer d'expliquer pourquoi ça se marie assez bien avec Bitcoin, tout ça. Donc, déjà, premier aspect, c'est la méthode. À mon avis, de toutes les sciences, à l'époque moderne, l'économie est celle qui a le plus évolué. Avec le Covid, les économistes professionnels, ayant leur ronde serviette sur les plateaux télé, ont une fois de plus démontré leur incompétence. À de rares exceptions, aucun d'entre eux n'a réussi à mettre en garde contre l'inflation qui allait nécessairement résulter des mesures exorbitantes de soutien à l'économie, aveugle aux signaux qu'une bande de dégénérés aux yeux laser avait pourtant perçus. Comme l'expliquait parfaitement Friedrich Hayek à l'occasion de son discours de Nobel en 1974, la science économique piétine parce qu'elle s'appuie sur une méthodologie erronée. Cette méthodologie que l'on retrouve usuellement dans les sciences physiques, la biologie, la chimie, est ce qu'on appelle positiviste et consiste à dériver des lois de données empiriques. Elle est adaptée au traitement des phénomènes physiques parce que l'on peut reproduire des expériences en physique dans un environnement contrôlé et isolé des facteurs. On ne peut pas traiter les données historiques et statistiques en économie de la même manière que les données obtenues par le physicien dans le cadre d'expériences contrôlées et reproductibles. La stagflation des années 70 ou la répression financière des années 40 ne sont pas des expériences reproductibles. On ne peut pas isoler certains facteurs et neutraliser certaines variables, répéter l'expérience pour tenter d'infirmer une hypothèse scientifique comme le ferait un chimiste dans son laboratoire. Ça ne marche juste pas. Chaque moment de l'histoire est unique. La nature et le nombre de variables à considérer pour décrire les phénomènes de l'action humaine font qu'il est illusoire d'essayer de dériver une théorie de la seule observation des données. Avec la méthode positiviste, il suffit de changer le focus de l'analyse, de modifier le poids accordé à telle ou telle variable, ou encore de considérer des sous-ensembles de données différents pour arriver à deux conclusions diamétralement opposées. Par conséquent, les modèles bâtis par les économistes néoclassiques et keynésiens souffrent soit de surapprentissage, c'est-à-dire qu'ils sont impropres à la généralisation, soit d'imprécision, au point qu'ils en deviennent inexploitables. Dans une telle situation, c'est finalement le biais idéologique, l'orthodoxie à la mode, le consensus corporatiste, qui servira de critère de tri et de colonne vertébrale au modèle. Aussi, il n'est pas étonnant de constater que la science économique ressemble de plus en plus à un clergé chargé de justifier l'idéologie dominante. Au contraire, les économistes autrichiens considèrent qu'il faut d'abord se doter d'une théorie des phénomènes pour ensuite étudier les données historiques. Il s'appuie du coup sur une méthodologie qu'on dit a prioriste, ou parfois axiomatico-déductive. Désolé, c'est un peu barbare. C'est une méthodologie qu'on utilise aussi en mathématiques, en philosophie, et qui consiste à partir d'axiomes aussi évidents que possible pour ensuite utiliser les règles de la logique et dériver des énoncés supérieurs. Avec la méthode a prioriste, on ne peut pas faire des prévisions précises sur le futur. On peut tout au plus faire des prévisions qualitatives du type « si on fait ça, il risque de se passer ça ». Mais on a un grand degré de certitude dans les prédictions qu'on fait. A l'inverse, avec les méthodes positivistes, on peut prétendre prévoir le PIB français à 4 ans avec la seule garantie d'avoir autant de résultats que de modèles. C'est un peu dommage quand on connaît l'influence que les économistes ont sur les politiques publiques. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais vous donner un exemple du type de raisonnement que font les Autrichiens en partant de seulement 3 axiomes pour parler de la monnaie, des marchés, etc. Ces 3 axiomes sont très simples. Le temps est rare, le futur est incertain et l'information est locale. Au fondement de l'économique en tant que catégorie d'activité et par extension de l'économie en tant que domaine d'étude se trouve la rareté du temps. L'économie du temps est unique parce que le temps ne peut être arrêté ou inversé. Chaque vie admet un début, mais surtout une fin indéterminée et inconnaissable. De fait, le temps, ce n'est pas une ressource comme les autres. Vous ne pouvez pas choisir la quantité de temps que vous souhaitez avoir. Parce que le temps est absolument rare, parce que chaque instant est unique, exclusif, ou pour le dire autrement, parce que vous ne pouvez pas produire plus de temps, chaque décision admet un coût d'opportunité et donc nous porte à rationaliser l'utilisation de notre temps. Même sans aucune restriction sur la quantité de ressources disponibles, le choix d'un individu sur la façon de dépenser son temps entraîne nécessairement l'élimination de toutes les alternatives. Nul ne peut faire abstraction de cette réalité. Nous devons à chaque instant faire des choix qui vont influencer notre condition future. Pour penser à demain, il faut pouvoir survivre et subsister jusque-là. Il faut se donner les moyens de satisfaire ses besoins d'aujourd'hui et de demain. Mais nous ne savons pas quels seront nos besoins futurs. Le futur est incertain. Plus le futur envisagé est éloigné de l'instant présent, plus il est incertain, et moins il nous importe, car il n'adviendra que si nous arrivons à subsister jusque-là. Autrement dit, nos désirs présents sont toujours prioritaires à nos besoins futurs.
C'est en gagnant de la certitude sur notre subsistance à court terme que nous pouvons penser au moyen terme, voire au long terme. À cet égard, la propriété apparaît comme une institution sociale fondamentale. En effet, plus les droits de propriété sont acceptés dans une société, plus nous avons la possibilité de sécuriser notre condition présente et de nous orienter vers l'avenir. Cette valorisation relative du futur par rapport au présent est ce que les économistes autrichiens appellent la préférence temporelle. Excusez-moi. Lorsqu'il s'agit de sécuriser notre condition future, il est un type de propriété qui est particulièrement important, la monnaie. Comme l'avenir est inconnaissable et incertain, vous ne savez pas exactement ce que vous allez vouloir ou de quoi vous allez avoir besoin dans le futur. Ainsi, la stratégie optimale pour se prémunir contre l'inhérente incertitude du futur, c'est d'épargner dans le bien le plus liquide, c'est-à-dire la monnaie. En détenant le bien le plus liquide, vous garantissez que vous pourrez obtenir par l'échange le bien qui aura le plus d'utilité marginale pour vous à l'avenir. La monnaie est donc précisément détenue en raison de l'incertitude du futur. Dans un avenir qui serait parfaitement prévisible, les individus pourraient organiser toutes leurs entrées financières futures pour acheter directement les biens qu'ils désireraient au moment où ils en auraient besoin et n'auraient donc pas besoin de détenir de monnaie. Mais dans le monde réel, où l'avenir est imprévisible, la monnaie est le meilleur outil pour sécuriser le futur, car sa liquidité lui permet d'être convertie en n'importe quel bien désiré à l'avenir. En utilisant des biens comme monnaie, les individus se dotent donc d'un outil puissant pour transférer de la valeur dans le futur, et ce faisant, ils augmentent la certitude sur le futur et abaissent leurs préférences temporelles. Mais toutes les monnaies ne se valent pas. Leçon qui parfois coûte cher. Les monnaies trop faciles à produire incitent à ce que d'importantes ressources soient dévolues à la production d'unités monétaires supplémentaires, ce qui n'achève rien d'autre que d'évaluer le pouvoir d'achat futur de ceux qui en détiennent. A l'inverse, les monnaies dures accroissent notre capacité à transmettre du pouvoir d'achat dans le temps et nous permettent donc d'abaisser nos préférences temporelles. Plus une monnaie facilite les transactions entre les personnes et entre les présents et le futur, plus ses utilisateurs en bénéficient. Les agents économiques sont néanmoins libres de bouder une technologie monétaire supérieure pour lui en préférer une autre. Mais ils ne peuvent pas vraiment le faire pendant très longtemps, car leur entêtement les conduira tôt ou tard à la ruine. C'est ce processus de compétition entre les monnaies faibles et fortes qui explique la démonétisation des pointes de flèche, des pots de castor, des coquillages, du sel, du bétail, du bronze et des autres monnaies primitives en faveur de l'or et de l'argent. Puis au XIXe siècle, avec l'augmentation de notre productivité, l'argent est devenu plus abondant que l'or et ce dernier s'est donc naturellement imposé comme monnaie mondiale. Ainsi, à mesure que l'humanité progresse dans l'utilisation de supports monétaires plus difficiles à produire, notre capacité à assurer notre avenir s'améliore. En rendant les transactions entre le futur et le présent plus fiables, la richesse que nous sommes en mesure de transférer dans le futur augmente, l'incertitude de l'avenir diminue et nos préférences temporelles baissent. C'est ainsi que nous sommes conduits à libérer plus de capital pour l'investissement et que nous augmentons nos standards de vie à long terme. Le graphe que vous avez là, c'est les taux d'intérêt réels en Europe depuis 7 siècles. Ce que vous voyez, c'est effectivement une tendance de baisse structurelle entrecoupée par des hausses, des guerres, des épidémies. Ce qu'il faut comprendre en lisant ce graphe, c'est un cercle vertueux où l'accumulation du capital nous conduit à abaisser nos préférences temporelles et donc à épargner plus, c'est-à-dire à rendre plus de capital disponible pour l'investissement, ce qui accroît la productivité et augmente en retour le stock de capital disponible, alimentant ainsi ce cercle vertueux. J'aimerais bien insister sur ce point. Conceptuellement et logiquement, l'investissement ne peut qu'être postérieur à l'épargne. Imprimer plus de monnaie ne peut conduire à plus d'investissement. Imprimer 4000 places de plus pour surfer une bitcoin n'augmentera pas le nombre de places dans la salle. Ça va juste faire en sorte que beaucoup de gens vont se retrouver avec un papier sans valeur. C'est exactement la même chose avec la monnaie. En incitant à l'expansion de la masse monétaire, les disciples de Keynes nous font revenir à un stade primitif de notre civilisation, puisqu'ils rendent le futur plus incertain pour chacun d'entre nous, découragent l'épargne au profit de la consommation ostentatoire et de l'endettement, autant qu'ils poussent au développement et à la survie de projets économiques qui consomment plus de capital qu'ils n'en créent. En effet, dans un monde où la masse monétaire croît inexorablement, un investissement peut présenter un rendement nominal positif tout en générant un rendement réel négatif. Malgré qu'il soit un gaspillage de ressources patent, un tel projet économique perdurera, ne serait-ce que parce que l'épargnant préférera détenir une part du projet plutôt que de détenir de la monnaie qui fond comme neige au soleil. D'ailleurs, la multiplication et la préservation des projets économiques qui gaspillent du capital, ce que les économistes autrichiens appellent le malinvestment, n'est pas seulement dû à la manipulation des taux d'intérêt, mais à la manipulation des prix en général. Chaque jour, la presse nous relate une nouvelle mesure de blocage des prix, indiquant que les hommes politiques et les banquiers centraux ne comprennent rien au rôle crucial que jouent les prix de marché dans nos économies.
loin d'être des variables que l'on peut ajuster pour contenter les électeurs, les prix sont le système d'information du capitalisme. Nous détenons tous des informations uniques concernant nos désirs, leur intensité, la disponibilité de certaines ressources ou même l'efficacité de certaines méthodes de production. C'est là mon troisième axiome, l'information est locale. Que ce soit en qualité d'entrepreneur ou de consommateur, en agissant à partir de ces informations, nous les distribuons au reste du monde sous la forme la plus condensée qui soit, de sorte que les autres puissent accorder leur plan d'action en fonction et sans être pollués par des détails inutiles pour la conduite de leurs affaires économiques. L'entrepreneur en particulier est dépendant des prix de marché pour deviser et mener à bien ses plans de production. Sans prix de marché pour les facteurs intermédiaires, il ne peut effectuer le calcul économique qui lui indique, par l'arithmétique des pertes et profits, si son utilisation des facteurs de production génère un surplus d'utilité. Sans les prix, il est tel un navigateur, sans compagne ni boussole, condamné tôt ou tard à mener son navire et son équipage sur les récifs. Je vous invite à penser les marchés non pas comme des lieux d'échange, mais avant tout comme des processus servant à produire et distribuer de l'information pertinente pour la coordination économique. Dans notre monde dynamique, nous adaptons nos actions aux changements observés dans les conditions de notre existence, et ainsi nous causons des variations de prix, qui, en retour, vont pousser d'autres à agir différemment et ainsi prolonger cette danse ininterrompue des prix. Tant que le monde change et que nos actions s'accordent à ces changements, cette danse continue et nous permet d'agir rationnellement, alors même que nous ignorons quasiment tout des déterminants de la production. Un des messages fondamentaux des Autrichiens, c'est que la prééminence des sociétés capitalistes tient à leur capacité à s'adapter à des conditions changeantes, à exploiter la créativité humaine pour répondre à des défis nouveaux. Mais au cœur de cette adaptabilité se trouve le marché, ce système nerveux qui permet aux parties d'une société de coordonner leurs actions selon un schéma émergent tirant profit de toutes les informations localement détenues. Bref, ce dont j'essaie de vous convaincre depuis quelques minutes, c'est que le secret de l'avancement de la civilisation réside dans l'acte qui consiste à reporter une gratification immédiate pour immobiliser des ressources productives qui nous permettront de générer des surplus dans le futur. Et cela, ça peut se faire que si deux conditions sont remplies. Un, que nos préférences temporelles baissent, et deux, que nous disposions de prix de marché libres pour nous guider dans l'allocation de nos ressources. Or, ces deux prérequis sont eux-mêmes en premier lieu dépendants du fait que nous disposions d'une technologie monétaire qui soit une bonne réserve de valeur et qui résiste à la manipulation. À cet égard, toutes les lois de monnaie de cours légale et toutes les banques centrales sont une attaque à l'encontre de la civilisation. Lénine disait que le meilleur moyen de détruire une société, c'est de corrompre sa monnaie. Comme quoi, même les marxistes ont raison parfois. Encore une fois, notre intérêt propre nous conduit à vouloir détenir la monnaie la plus dure qui soit, et donc à abaisser autant que possible nos préférences temporelles, ce qui contribue à notre prospérité collective. En empêchant la sélection de la monnaie sur le marché, les banques centrales et les défenseurs de lois de cours légales s'arrogent le pouvoir de bafouer les droits de propriété de tous, au motif fallacieux que cela garantirait le bien commun ou la stabilité financière. Bien au contraire, comme l'indiquent parfaitement les épisodes d'hyperinflation dans l'histoire du XXe siècle, la corruption de la monnaie cause un rehaussement général et rapide des préférences temporelles et fait plonger les sociétés dans un état primitif où seule la survie importe. Les conséquences néfastes de ces interventions sont légion. Les biens difficiles à produire, comme les voitures, les habitations, les bijoux, les objets de collection, ou les biens de première nécessité, comme les denrées alimentaires de base et les médicaments, deviennent des réserves de valeur et sont ainsi détournés de leur utilité directe. Avec la monnaie facile, les conséquences de long terme des crimes et des incivilités sont dévaluées par rapport à leurs bénéfices immédiats, si bien que les atteintes aux personnes et à la propriété se multiplient. Il en résulte que le capital productif et ses propriétaires migrent vers des contrées où il pourra être opéré efficacement. L'éducation, la santé, l'art, la science, la famille, toutes les autres activités qui ne portent leurs fruits qu'après de longs sacrifices préalables tombent en désuétude. Le respect des valeurs morales se délite, car l'homme perd de vue l'intérêt de vivre au sein de la civilisation à mesure que les bienfaits qu'elle apporte s'estompent. La débauche et les addictions se multiplient, puisque la satisfaction certaine de court terme l'emporte sur toutes les considérations de souffrance à long terme. Bien qu'en Occident nous ne soyons pas encore sujets à l'hyperinflation, il ne fait aucun doute que nous observons les mêmes conséquences, même si c'est à un degré moindre. Je crois en effet qu'il n'est pas possible de comprendre les phénomènes modernes de consommation ostentatoire, d'envolée des addictions, de frénésie spéculative, de délitement des structures familiales, de débauche sexuelle, d'amalgame entre l'art et le divertissement, de surendettement, d'augmentation des crimes et des incarcérations subséquentes, sans considérer d'abord les conséquences de la monnaie fiat sur nos préférences temporelles et donc sur nos comportements. Bref, si je tombais dans le rabbit hole de l'économie autrichienne, c'est avant tout parce qu'elle nous livre des outils d'analyse puissants que j'essaie de partager avec vous pour comprendre les causes des tares qui infligent notre civilisation aujourd'hui. Mais c'est aussi surtout parce qu'elle nous explique en quoi Bitcoin en est parfaitement le remède. Grâce au mécanisme d'ajustement de la difficulté, Bitcoin offre à ses détenteurs des garanties de préservation de pouvoir d'achat inédites dans l'histoire.
Il suffit d'observer les changements de style de vie opérés par les bitcoiners pour voir en temps réel l'influence de la monnaie dure sur les préférences temporelles. Nombre de bitcoiners abandonnent la malbouffe, les drogues, les coups d'un soir et les jobs abscons pour fonder des familles, assainir leur hygiène de vie, faire vivre des communautés locales, créer leurs propres entreprises ou même parfois revenir à une passion de jeunesse qu'ils avaient délaissée par peur d'être distancés dans la rat race. Un simple calcul permet de comprendre les incitations qui mènent à tels changements comportementaux. Si vous avez épargné 15 dollars par semaine en Bitcoin, sur StackInsats par exemple, au cours des 5 dernières années, vous avez désormais 40 millions de Satoshi, c'est-à-dire 9 400 dollars à peu près en prix de marché aujourd'hui, pour une dépense totale de 3 900 dollars environ. Ça fait un rendement de 140%. De fait, vous avez largement battu l'inflation, quelle que soit la mesure qu'on retient, et vous avez augmenté la certitude sur votre condition future. Si à l'inverse, vous avez utilisé un compte d'épargne classique, un livret A, ou même que vous avez investi la somme pareille en DCA sur le marché d'actions, vous aurez obtenu un rendement entre 3 et 27%, ce qui correspond à une perte de pouvoir d'achat en termes réels. Autant dire que vous auriez mieux fait de dépenser votre argent et profiter de la vie. Carpe diem, vive le consumérisme de masse. Lorsque l'on sait qu'un petit sacrifice présent mènera très probablement à un grand bénéfice futur, plus facile d'y consentir. L'équivalent d'un abonnement Netflix et d'un paquet de cigarettes par jour sur 4 ans, investi en DCA sur Bitcoin, c'est 33 000 euros. C'est-à-dire de quoi payer votre enfant des études dans une des meilleures universités du pays, ou de vous acheter la voiture de vos rêves, ce que presque personne ne peut faire aujourd'hui dans le fiat système sans s'endetter. À ceci, certains me répondront que Bitcoin est trop volatile pour servir d'épargne. Soit. Devront néanmoins considérer qu'il est possible depuis des années de générer un revenu passif sur Bitcoin et sans être exposé à sa volatilité. Un tel placement, depuis qu'il est disponible, génère un rendement moyen d'environ 12%, ce que j'ai indiqué là, avec le détail chaque année. Ça fait un rendement réel, annuel, de 9,74%. En comparaison, le rendement réel moyen du bon américain à 10 ans, qui est l'instrument financier le plus liquide du monde, et donc celui qui est utilisé comme benchmark en finance à peu près partout, et qui est censé être le plus sûr, était en rendement réel de moins 0,48%, coupon réinvesti. Bon, je sais que ces calculs peuvent vous paraître obscurs. En réalité, ils sont très importants. Tous les systèmes financiers et monétaires du monde sont en concurrence perpétuelle pour attirer du capital. Le déterminant principal de cette lutte, c'est le taux d'intérêt réel. Comme le dit parfaitement Louis-Vincent Gave, le capital coule vers les taux réels positifs comme l'eau coule de haut en bas de la montagne. Bitcoin présente des taux réels inégalés à l'époque moderne et inégalables compte tenu du surendettement généralisé de nos économies. Aussi, je pense que l'on peut s'attendre à ce qu'il attire du capital comme un aimant au cours des années qui viennent. C'est là une très bonne chose, car comme j'ai essayé de vous en convaincre, aujourd'hui, le rétablissement d'une monnaie dure et non manipulable, en ce qu'il rétablirait l'abaissement des préférences temporelles et la vérité des prix, nous conduirait très probablement vers une ère de prospérité et de renaissance de notre civilisation, similaire à bien des égards à celle que nos ancêtres ont connue durant la Belle Époque, sous l'autorité du gold standard. Comme le dit si bien l'adage le plus autrichien des bitcoiners, « Fix the money, fix the world ». Merci à StackInsats pour l'organisation de la conférence. Vous trouvez ça directement sur mon site, tous les graphes, les slides et le texte de cette conférence, institutbitcoin.fr. Et merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions. Moi, j'en ai une. Peut-être rentrer dans les détails. Vous avez dit que plus de masse monétaire n'impliquait pas plus d'investissement. Pourquoi ? Parce que c'est des bouts de papier. La quantité de ressources qui sont disponibles ne va pas changer quand on imprime plus de monnaie. La monnaie qui est imprimée, elle représente juste des droits de propriété sur ces ressources. Donc, si j'imprime plus de monnaie, tout ce que je vais faire, c'est que je vais diluer les droits de propriété de quelqu'un quelque part, notamment quelqu'un qui est loin de la presse à imprimer, qui ne va pas avoir le privilège de recevoir cette monnaie le premier. En faisant ça, je vais distordre les incentives qui s'offrent à chacun de nous. Si je suis sûr que demain, les banquiers centraux vont imprimer plus, pourquoi est-ce que j'investirais dans du capital réel ? Mieux vaut spéculer, mieux vaut dépenser, mieux vaut s'endetter. Et là, par contre, en faisant ça, je vais faire en sorte que les maisons ne sont plus utilisées pour loger des gens, les voitures ne sont plus utilisées pour transporter des gens, les bouteilles de vin ne sont plus bues, tout ça est utilisé comme réserve de valeur, parce que cette fonction fondamentale qui nous sert à combattre l'incertitude du futur n'est plus du tout remplie par la monnaie, donc on utilise autre chose pour le faire. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est vraiment comme les billets de StackInsats. Vous pouvez imprimer 10 000 billets, il n'y aura pas plus de place dans la salle. C'est des ressources limitées. Vous les redistribuez juste en lésant des gens.
Je me permets de suggérer à notre auditoire de montrer une nouvelle appréciation de la qualité de notre intervenant. Et merci beaucoup. Merci. Bah, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup encore.